Abonnez-vous à ZOFA et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Les producteurs ivoiriens s'intéressent davantage aux films d'action. Le titre du nouveau film, qui va bouleverser le paysage cinématographique, est Perfidie. Un film réalisé par Roland Gogo et produit par Miprocor Label, qui a été entièrement tourné en Côte d'Ivoire. Fabrice et sa sœur Faya ont perdu leurs parents lorsqu'ils étaient enfants. Leur père, un ancien flic, enquêtait sur une affaire impliquant des escrocs et de dangereux dealers. Devenu adulte, Faya, l'aînée, qui a grandi avec l'idée de venger un jour ses parents, entre dans la vie tumultueuse de la pègre. Elle trouve l'amour dans cet environnement. Ils font face à des gangsters dangereux qui veulent les biens volés de Faya. C'est dans ce décor qu'elle découvre que son grand amour est l'assassin de ses parents. Que décidera-t-elle finalement? Quel sera le résultat final de cette histoire incroyable? Connie Touré est la tête d'affiche. Connie Touré, l'une des figures emblématiques de la Côte d'Ivoire dans le secteur audiovisuel, brille de mille feux au cinéma. Connie, le producteur de la série Un homme à marier, est l'un des personnages principaux de ce film d'action. Avec lui, la majorité des personnages de ce film de 2 heures sont des noms connus du show business ivoirien. Aux côtés d'acteurs professionnels comme Michel Gohou, Ray Reboul et Christelle Timoko, nous avons des artistes comme Nicolas Abi, Shadow Chris et le mannequin Cédric Mesplode. À partir du 9 septembre, les cinémas majestiques de Côte d'Ivoire projetteront Perfidie, qui sera également diffusé dans 14 autres pays africains francophones.